Bon, je viens de sortir de ma douche, mais ça, tout le monde s'en fout. Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade, et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo blabla. Et au passage, ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un mois que je n'ai pas tourné de vidéo. Au moment où est sortie la dernière vidéo, je crois que ça remonte il y a 2-3 semaines. Mais ça fait un mois que je n'ai pas tourné de vidéo, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, vidéo blabla, vidéo importante, parce que je vais vous parler du futur rythme des vidéos et de mon absence tout simplement au niveau de YouTube, des vidéos, etc. Alors on va commencer sans plus tarder parce que je n'ai pas envie que la vidéo ne dure non plus 150 ans. Je vais commencer par vous parler de mon absence sur YouTube. Alors pour ça, il y a trois raisons qui font que au niveau des vidéos, c'est vraiment compliqué pour moi, mais vraiment compliqué. La première raison, c'est que déjà, j'ai vraiment pas le temps, voilà. Au niveau temps, c'est vraiment la galère parce que faut savoir, si vous ne savez pas, c'est que je suis actuellement à la fac. Je suis dans une fac où voilà, on nous donne quand même pas mal de boulot à faire. Donc au niveau des vidéos, au niveau, enfin, niveau galère, c'est incroyable. J'ai vraiment beaucoup de choses, j'ai vraiment beaucoup de devoirs, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, et ça fait que niveau du coup, j'ai pas vraiment le temps à ça pour les vidéos, mais consacrer réellement. Alors il y a des fois, je dis pas que j'ai toujours du boulot, toujours, j'ai un petit peu de temps, mais voilà, je n'ai pas non plus des masses, tu vois, j'ai pas beaucoup de temps, donc c'est vraiment la galère. La deuxième raison qui fait que c'est vraiment galère au niveau des vidéos sur YouTube, cette fois c'est une raison qui je n'avais absolument pas prévue. Alors oui, c'est une raison que je n'avais vraiment pas prévue, à savoir les cours le samedi matin. J'ai cours tous les samedis matins et c'est vraiment chiant, je dois vous avouer, c'est chiant. Ce qui fait que du coup, bah, je reviens ici chez mes parents. Je reviens chez mes parents le samedi soir, voilà, parce que il y a pas mal de choses à côté que je vais pas vous énumérer ici dans cette vidéo, et je repars chez moi même pas 24 heures après. Donc ce qui fait le temps de faire une vidéo, le temps de publier, enfin ce serait vraiment tellement la galère, voilà. C'est que j'ai même pas le temps, j'aurais même pas le temps de profiter de ma console, j'aurais presque pas le temps à faire. En plus j'ai des devoirs à faire le week-end, donc c'est hyper compliqué, quoi. J'aurais pas eu les cours le samedi matin, ça aurait été plus facile parce que je serais revenu chez mes parents le vendredi soir, ça aurait été plus simple à mes yeux. Mais là, c'est vraiment pas pratique du tout, c'est vraiment chiant, mais je suis obligé de faire avec. Et la dernière raison, c'est tout simplement mon appartement. Alors vous allez me dire, je suis sûr qu'il y en a certains qui pourraient se dire, mais ils pourraient faire des vidéos chez lui, tu pourrais faire des vidéos chez toi, pourquoi est-ce que tu fais pas ça, pourquoi est-ce que tu n'emportes pas ta caméra, pourquoi. La raison, il y a deux raisons simples vis-à-vis de ça, c'est que déjà, premièrement, je n'ai pas... Si je n'utilise pas le partage de co de mon téléphone portable où je suis quasiment à illimité, eh ben je n'ai pas vraiment internet, je n'ai pas de box, donc j'utilise, si j'ai internet chez moi, c'est grâce au partage de co que je fais via mon téléphone. Et c'est voilà, il y a des fois ça bug, il y a des fois ça marche, enfin il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas, c'est un petit peu compliqué par moment. Donc voilà. Et la deuxième raison, c'est que il y a toujours du bruit chez moi dans l'immeuble. Dans la résidence où je vis, il y a toujours du bruit, que ce soit en bas, en haut, même dans la rue, il y a toujours un quelconque bruit. Et pour faire des vidéos, bah, ça serait juste super chiant, ce serait chaud, et puis voilà, quoi. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué les raisons du fait que au niveau des vidéos, c'est vraiment compliqué pour moi. Pourquoi est-ce que du coup, bah, mon absence, voilà, se résume à ça, hein, pour toutes les raisons que je vous ai évoqué, les trois raisons plus les deux sous-raisons, on va dire, vis-à-vis de mon appartement et tout. Donc du coup, ben, ce qui fait que le rythme des vidéos, voilà, donc je vais avoir un rythme plutôt irrégulier, voilà, je vais avoir un rythme plutôt irrégulier. Donc c'est pour ça que n'hésitez vraiment pas à me follow sur mes réseaux sociaux, qui se retrouveront dans la barre de description comme à chacune de mes vidéos, parce que c'est notamment Twitter, parce que ça va être sur Twitter que je vais vous dire quand est-ce que sortira telle ou telle vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à me follow si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez Twitter mais que vous ne savez pas que j'ai un Twitter et que voilà, bah, n'hésitez pas à me follow, ça me ferait plaisir. Et c'est surtout là-bas que je donnerai toutes les informations pour les prochaines vidéos. Voilà, donc, et puis aussi au niveau des vidéos que je faisais mensuellement, au niveau des achats manga, ça va pas changer. Voilà, au niveau des achats manga, ça va pas du tout changer.
Donc il n'y a aucun souci à se faire, mais c'est surtout au niveau des reviews Boruto où là ça va être compliqué. Si j'en fais une, mais ce serait une de temps en temps, je sais pas, par exemple, je pourrais en faire une pour chapitre 61 et, la prochaine review serait pour chapitre 70. Voilà, c'est un exemple. Donc là, ça va être vraiment compliqué, vraiment compliqué pour faire mes reviews Boruto. Donc du coup, je ne les fais plus. Vous avez bien vu que je n'ai pas fait la review du chapitre 49 et la review du chapitre 49 et la review du chapitre 50. Par ailleurs, je n'ai toujours pas lu les chapitres, mais ça, c'est un secret. Donc pour ce faire, je vous invite à aller voir les vidéos de Raito et de Darkos qui font vraiment de bien meilleures vidéos review Boruto que les miennes. Donc je vous invite à aller voir, elles sont d'une qualité vraiment quand même largement supérieure à celle que je faisais. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous ne savez pas qui aller voir pour des reviews Boruto, je vous conseille d'aller voir ces deux-là, les deux que je regarde principalement quand ils font des reviews Boruto. Donc je vous invite à aller les voir et puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vraiment. Très important, n'hésitez vraiment pas à continuer à me soutenir malgré le futur rythme irrégulier que je vais avoir au niveau des vidéos. Vraiment, ça me ferait très plaisir parce que ça va être la galère, ou même pour les montées de la chaîne. Donc j'espère qu'on atteindra ensemble les 800 abonnés et ensuite les 1000 abonnés. Franchement, ça me ferait tellement plaisir. Et je sais que ça va être d'autant plus difficile si en plus j'ai un rythme assez irrégulier. Donc ça, si je pouvais vraiment, j'aurais gardé le rythme que j'avais auparavant, c'est-à-dire au moins une vidéo par semaine. Donc là, je m'en excuse, je suis désolé. Mais voilà, j'espère qu'on atteindra tout de même cet objectif. Donc n'hésitez pas à commenter, ça me ferait très plaisir, vraiment. N'hésitez vraiment pas à commenter, même à lâcher un like si vous en avez envie. Donc le commentaire en plus pour le référencement, c'est d'autant bien, voilà. Puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas également à voir mes autres vidéos, à laisser un petit commentaire, je lis toujours vos commentaires, donc n'hésitez vraiment pas. Et quant à moi, je vous dis écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sur ma chaîne, alors ça sera soit une vidéo achat manga, encore une fois, soit ça sera une vidéo lecture manga sur le tome 4 de Eden Zero. Donc ça va être soit l'un, soit l'une, soit l'autre au niveau des vidéos. Donc je verrai bien, mais même si je balancerai plus pour une vidéo lecture manga quand même. Donc voilà. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, enfin, à très bientôt, je ne sais pas, mais en tout cas, à bientôt, au plus vite, pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Blade Basketeur 15. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. C'était Blade. Allez, Diana.